Gen go déclaration qui fait pendant fin titre 42 an presque arrivé là. Bon côté CBP et bon côté administration Joe Biden. Bon côté CBP, nous gen chef patrouille frontalière américaine qui voyait une note qui a autorisé libération des immigrants illégaux dans le pays les États-Unis sans date audience. Si toutefois agent yo confronté avec une surpopulation. Border Patrol fait face à plus que 10 000 rencontres pendant plusieurs jours. Et bien nous avons l'administration Biden la même qui a démêlé là pour faire face avec une augmentation historique des migrations dans frontière avant fin titre 42 ans. Pas oublier à 11h59 jeudi en là qui c'est 11 mai 2023 titre 42 ans a prend fin. N'a chaviré information nous praler dans administration Biden nan. Alejandro Mayorkas fait gros déclaration à 10h06 dans après-midi dans même journée qui c'est 11 mai 2023 ça côté Alejandro Mayorkas qui c'est secrétaire sécurité intérieure qui c'est DHS citoyen fait une gros déclaration et il lance une nouvelle avertissement avec tout immigrant illégal qui pral pote bourré. Et bien dans même moment il fait déclaration ça tout c'est comme ça patrouille frontalière là a fait face avec tout paquet arrestation record avant fait titre 42 ans ou pral dans des déclarations et Adrien de Marocas kounya là dans vidéo ça pas perdre une minute comment nous y ça va fait nos pam c'est Wood Asian et c'est un plaisir aujourd'hui pour montrer la caillou avec vidéo ça by vidéo ça plus partage pour plus haïtien dans pays Mexique tant des informations ça qui t'ai un pouce sous vidéo pour montrer qu'on remet qui t'ai un like sous vidéo pour montrer qu'on remet travail ça et c'est ça tout cas encourager me porter plus informations pour pas oublier commenter pour dire comment ouais fait titre 42 a présenté automatiquement yo les villes à 11h59 aujourd'hui qui c'est 11 mai 2023 nous gagnons Alejandro Mayorkas, qui est secrétaire américain à la sécurité intérieure, qui prend la parole pendant une conférence de presse quotidienne dans la salle de conférence de presse Brady, dans la Maison Blanche à Washington DC, journée là qui c'est 11 mai 2023 à 2h PM, lui fait connaître que immigrants qui a entré dans le pays les États-Unis sans document, alors que yo gete gen contrôle pour capable supprimer titre 42 ans, jeudi en 11 mai 1, qui a fait face avec une longue interdiction et ça qui gagne une durée pour déporter et poursuite possible tout le monde qui a essayé d'entrer illégal automatiquement ont été fait dans titre 42 ça et bien c'est ça qui averti par secrétaire sécurité intérieure qui c'est Alejandro Mayorkas. Li continue pour le dire frontière nous yo pas ouvert piga nous pointer pied nous dans frontière nous yo parce que li pas ouvert pas gain expulsion pour tout immigrant illégal sans document et lui même dit que pas risque vie nous et économie nous parce que n'a déporté dans pays les États-Unis automatiquement nous fait ça pas risque vie nous pas risque économie nous pour ne pas déporter dans pays les États-Unis c'est ça qui averti par Mayorkas avec tout immigrant yo avant fin titre 42 dans journée qui c'est 11 mai 2023 est-ce qu'on t'en décosé actuellement nous avons service douane et protection frontière qui c'est CBP qui a compté environ 26 000 immigrants sous garde fédéral. Capacité dans un endroit ça à l'autre côté autant qu'on dans frontière sud-est, gain environ 19 000 et plusieurs secteurs actuellement bien pire que capacité ça yo. Actuellement, information obtenue là, c'est d'après Fox News. Est-ce qu'on tendait qui valait immigrants qui est en programme là qui obtenu retiré titre 42 pour aller porter bouée. Et puis l'autre temps de déportation, tout le monde va le dire, États-Unis pas bon, li pas averti. États-Unis averti, yon même mette programme pour éviter problème ça. Rive parce que Joe Biden dit comme ça, et baray titre 42 ça, son loi raciste qui est lié, li compte tout immigrant qui a cherché asile dans le pays. Il a cherché aider immigrants, et bien immigrants yon même pensé yon va mettre Joe Biden dans le problème, mais Joe Biden a déporté tout. Alejandro Mayorkas dit que yon constate déjà un nombre élevé de rencontres de quelques secteurs. Et bien ça, qui mettait une pression incroyable sur personnel nous yo, sur installation nous yo, sur communauté nous yo, avec collaboration étroitement que yo fait. Nous préparer pour moment ça pendant presque 2 ans et plan nous yo pral bay résultat et pral gagner en pile résultat pleinement qui pral capable réaliser et essentiel que nous gagnons de tout compte nous pral rendre jusqu'à venir là l'apprenti temps mais nous pral capable ouais a gagner résultat par rapport avec toute programmation que nous t'ai déjà fait. Est-ce que t'as des déclarations qu'elle fait?
résultat yo a vini quand même. Peu importe gens immigrants ou pote boue a gen résultat parce que yo gagné presque 2 ans depuis a préparé parce que on est automatiquement remettre fin dans titre 42 ça. Immigrants yo comme égaré par le pote boue le sa yo même yo va une déportation et tout ou a gagné 5 ans ou pas ka tourner dans pays les États-Unis. Ou a fait 5 ans de yo sans que ou pas capable tourner dans pays les États-Unis, automatiquement yo déporté si toutefois ou pas gagner un document légal qui prouvait que ou même ou gè droit pour entrer et franchir frontière pays les États-Unis. Tant coup yon immigrant qui prend l'ai dans application CBP One pour capable entrer dans pays les États-Unis parce que yon fait connait titre 8 là a appliqué et CBP One a toujours là pour immigrant illégal dans pays Mexique prend l'ai pour capable entrer dans pays les États-Unis. CBP fait connait que chef patrouille frontalier dans pays les États-Unis a autorisé libération de tout immigrant qui a cherché entrée illégale pendant fin titre 42 ça sans date audience. Ça veut dire en pile bagaille, yon moun ki sans date audience dans pays les États-Unis à n'importe quel moment ou a joine lettre déportation et pas oublier tout n'importe côté ou croisé ou y a déporté ou. S'il vous plaît mes amis, haïtien pareil moi pas pote bourré, pas aller pote bourré dans frontière Mexique avec pays les États-Unis. Titre 8 là automatiquement yo déporté ou al pote boue ou ap tann 5 ans pour capable demander pour entrer dans pays les États-Unis encore 5 ans ou pas capable territoire américain différemment gens s'atterre avant là ou te déporté immigrant illégal dans pays les États-Unis. Woodeschen li parler li prouver, nous pas là pour bay fausse information, nous là pour orienter, nous là pour faire entendre sac sorti, nous pas là pour faire plaisir moun kap commenter parfois kap di côté une information ça yo téléphone nan mon lan utiliser pour bon bagay parce que nan moment ça là ou pas ta supposé chita dans un téléphone ou tant dans information pour argumenter pour dimenti pour voyer monter parce que ça y a di en pendant avantage ou parce que c'est pas lui attend moi Woodeschen moi que 3 ans m'a parlé de système migratoire dans pays les États-Unis, m'a parlé de tout immigrant net kap entrer dans pays Mexique pour aller dans pays les États-Unis. Yon jou ou de chen pou ko jan ba menti nan information pou fè moun plaisir. Moi même c'est pas les prouver. Tout samedi ou vin démenti, vin a preuve pour parce que haïti c'est comme ça nou yé. Lè ou ba yon information ki pa nan avantage nou, n'ap voye monter. Si c'est comme ça, m'a toujours la gè information direct nan ke nou parce que haïti nou pa kontande. Moi même moi là pou m'ba information avec plaisir moun. Ou pa remè information ça ou l'autre moun après mèl. Essentiel moi même moi travaille pour me prouver information et ou même téléphone qui dans mon lan c'est pas pour faire zin, c'est pas pour jouer moun, li là pour chercher information. Abonnez avec Woodeschen Kounya, partagez vidéo ça tout côté, like vidéo, allez sur YouTube, allez abonner avec Woodeschen s'il vous plaît. Yon zanmi k'ap tande vidéo ça, allez abonner avec YouTube moyen parce que l'important pour travail ça. N'ap kwaze pour le plus belle vidéo, n'ap tande fè titre 42 Woodeschen.